Je vais dire pour le chant qui dit pas de naissance, pas, je n'ai pas de parcours, je ne vais pas vous l'ajouter, mais pas de naissance, pas de parcours, pas de mort, pas de résurrection. Alléluia. Ça veut dire que le corps de Christ aujourd'hui essaie de courir vers des révélations qui n'existent pas. Voyez un peu. Il y en a qui croient que Noël, on ne doit pas laisser les morts. C'est archi faux. Qui dit c'est archi faux. Alléluia. Vous savez que les chrétiens juifs, ils fêtent Noël à Hanouka. Alléluia. Les chrétiens orientaux fêtent Noël le 7 janvier. Les chrétiens occidentaux, à cause des Canadiens, gregoriens, le 7, le fêtent un 21 décembre. Nous ne savons pas quelle est la date qui est exacte. Mais c'est que nous savons que le Seigneur est venu un jour. Alléluia. Et le jour où il est venu. Amen. Vous n'avez pas vu le jour où Jésus pour voir à la croix que les anges se sont réjouis. Les jours, les anges se sont réjouis. Il y a eu la révélation des anges. Les anges, toute l'armée céleste, c'est-à-dire que les hommes et les anges étaient ensemble en train de glorifier Dieu. Les hommes étaient représentés par les bergers. Alléluia. Il faut comprendre un peu l'état où nous sommes. L'hérésie est quelque chose de très très dangereux pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et le prophète Esaïe disait, regardez les anciens chemins, marchez-y. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si nous voyons dans l'histoire, la célébration de la sainte de Christ, c'est quelque chose qui est important. Nous ne connaissons pas la date, mais vous allez voir le niveau de l'enseignement, la profondeur de l'enseignement, ces deux dimanches vont nous montrer que je dois réfléchir deux fois si je ne célèbre pas le Seigneur. Ce soit le 25, ce soit le 2 janvier, ce soit le 7 janvier. Quand l'homme prend une décision de pouvoir célébrer, c'est quelque chose de loi. Il y a des fêtes qu'on appelle les fêtes de l'éternel. Ce sont des fêtes où Dieu a institué. Il y a des fêtes aussi qu'on appelle les fêtes des hommes qui veulent célébrer leur Dieu. Moi, c'est ce que je mets dans le contexte de ce qu'on appelle Noël aujourd'hui. Et la perversion, vous voyez, partout, c'est devenu une fête de cadeaux et tout. Nous continuons à croire que l'enfant, le petit enfant qui est éduqué à savoir que le 25 décembre, même si ce n'est pas la date de l'aîné, est la date de naissance de Christ, comprenant plus les choses de Dieu, celui qui s'élève comme ça, dans les méandres. Alléluia. C'est la chrétienté, l'éducation chrétienne commence dès que les enfants sont très jeunes. Il faut des choses symboliques pour les avoir, pour leur montrer que non, 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 le Seigneur est venu un jour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, nous voyons cette leçon à tirer des événements entourant la naissance du Christ. Je vais en parler peut-être quatre jours, parce que l'enseignement est très profond aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. D'abord, prenons la Bible dans Luc 17, d'abord. Gloire à Jésus-Christ. Et accordez-vous dans la joie maintenant. L'étouffement est brisé le temps de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Luc chapitre 17, verset 20. Oshima la kabaranko. Yoshima la karashikaya. Alléluia. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand il viendrait le royaume de Dieu. Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là. Voici le royaume de Dieu est au. Alléluia. C'est ma première leçon, je la tire de cette verset. Chaque leçon, je la tire d'une dernière verset, vous allez voir. Amen. Que le royaume de Dieu ne vient jamais de la manière où tu peux voir. C'est là où tu crois trouver Dieu, que tu vas trouver Dieu. Amen. Combien de gens se retrouvent dans les endroits et croient que Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. Alléluia. L'avènement de Christ nous enseigne vraiment que Dieu est arrivé. Après, il s'est humilié. Il est arrivé incognito. Personne, sauf à qui la révélation a été décidée, ne pouvait savoir que Dieu a pris la chair humaine, le corps humain, et il est descendu sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, les critères et les manières de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Ce n'est pas ce que l'homme élève que Dieu élève. C'est pas ce que les gens attendaient Jésus-Christ, les pharisiens croyaient qu'il viendrait
monde s'attendait à ce que Christ arrive comme un roi conquérant à Jérusalem. Parce qu'il est arrivé dans un contexte où l'Israël n'existait presque plus. C'était sous la domination des Romains. Et avec un roi pervers nommé par les Romains qui s'appelait Hérode. Vous voyez un peu? Et lui, il avait des bons contacts avec les Romains, c'est qu'on les laissait en paix. Il n'était même pas de la lignée de David pour être roi d'Israël. C'était quelqu'un qui est venu de la lignée d'Ismaël, et qui faisait partie du peuple des dons, et puis qu'on a nommé roi. Vous comprenez un peu? Personne n'attendait que Christ pouvait venir de cette manière-là. Donc Dieu commence souvent son œuvre en secret, alors que là où les gens ne l'attendent pas. Alléluia! Dans la vie de tous ceux que Dieu a appelés, Dieu commence en secret. Avant que tu découvres que Dieu t'a appelé, déjà en secret, il a commencé son travail en toi. Alléluia. Vous allez dire au prophète de Jérémie que, alors que Dieu était dans la porte de ta main, je t'avais déjà appelé. Est-ce que Jérémie savait cela? Non. Dieu commence toujours le travail en secret. C'est pour l'enfant de Dieu qui connaît ses principes, il sait que même si je n'entends pas le bruit de Dieu, Dieu est avec moi et il est travail. Alléluia. Ce que les gens voient souvent, c'est la tangibilité du travail de Dieu. Mais quand Dieu commence, les gens ne se rendent pas compte qu'il a déjà commencé. Alléluia. Alors, nous voyons que Israël, premièrement, le premier principe, Israël seulement était sous occupation romaine. Ça veut dire quoi? L'État comme celle d'Israël n'existait plus. Alléluia. Ils avaient les prophéties, ils attendaient le Messie. Ils ne savaient même pas quand il devait arriver. Alléluia. Oshimarakaya. Omarashi. Alors on fait dans Luc chapitre 2. Oramashigre. Sirènes. Les sirènes sont brisées aujourd'hui. L'esprit des sirènes est brisé. Alléluia. Luc chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant Quirinus était gouverneur de Syrie. En ce temps-là, parut un édit ou un commandement de César Auguste. César Auguste était l'empereur de l'Empire romain. Vous voyez que c'est pas, il n'y avait pas de roi d'Israël. Tout était dominé par Rome. C'était un pays occupé. Alors, c'est dans cet amoindrissement que Dieu choisit de venir se manifester. Vous savez, quand il y a l'oppression comme ça, les gens souvent tournent vers les autres choses. À l'époque, ben, il y avait la secte des Zélotes déjà qui préparait la guerre, comment battre. Il y avait des révoltes de paix partout là. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que Christ serait venu dans des conditions qu'on va voir tout à l'heure, comme vous savez qu'il est venu, comme un petit enfant dans les scènes d'une vierge d'Israël, quelconque d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, Israël était sous occupation. Sous occupation, on ne peut pas rien entendre. Les gens sont amoindris, les gens esclaves sont brisés, les gens sont esclaves. C'est alors que tu es dans ton esclavage, alors que tu es dans des problèmes qui ne terminent pas. C'est alors que les gens se moquent de toi, que tu n'es pas vraiment une bonne chrétienne ou un bon chrétien. C'est alors que Dieu va manifester sa grandeur, les gens vont pouvoir avoir la bouche ouverte. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand parce que pourquoi ne jeter jamais l'opprobre sur quelqu'un? Israël était sous l'opprobre. Pendant qu'ils étaient sur le pont, pendant qu'ils étaient diminués, c'est alors que Dieu a choisi de venir donner une libération. Vous vous souvenez que dans cette libération, quand nous parlons de Jésus-Christ comme le premier, nous parlons en même temps comme l'a fait parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. C'est, quand il est venu, quand il marchait sur Jérusalem, ils étaient sûrs. On allait l'enlever dans le lit pour le faire roi ce jour-là. Ils étaient sûrs que voilà notre Messie qui est venu pour nous délivrer. Effectivement, il est venu pour les délivrer, mais pas de manière dont ils attendaient. Telle voix paraît bonne à l'homme, mais c'est la voix de la permission. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Alléluia. De nous montrer simplement que les critères et les manières des hommes ne sont pas de Dieu, ne sont pas celles des hommes. C'est pourquoi l'homme doit être attentif, l'homme doit être soumis à Dieu, l'homme doit écouter Dieu, l'homme doit toujours s'attendre à ce que Dieu parle. On va voir à la fin de la conclusion de cet enseignement que Dieu n'est, il n'y a qu'une poignée de gens qui ont su que Christ était venu. On va voir les qualités. Alléluia. Comme l'Esprit me disait, ce sera comme dans les temps de Noé. Il y en a qui sont en train de jouer là. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'il n'y aura pas beaucoup de gens au ciel.
Je crois pas qu'il y a une multitude qui va être. Tous ceux qui se disent chrétiens vont être enlevés. Ceux qui ont des vies prêtes, qui vivent dans la sanctification, qui craignent les dieux, c'est eux qui vont être enlevés. Alléluia. Amen. Parce que Christ, quand il est venu, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui l'ont vu. Les pays étaient sous occupation. Les chefs religieux n'ont rien vu que du bleu. Ils n'ont même pas su qu'il était là jusqu'au jour où il est venu entrer au temple. Sauf dans le temple, il y avait deux personnes qui avaient les yeux ouverts. Alléluia. Il y avait Simeon avec Anne. J'ai juste dû à l'introduction pour vous montrer que comment Dieu a parlé de la vie des gens. C'est pas moi quand je marche, je vois une personne, je vois une personne, même dans une position assez bizarre, je peux sentir que cette personne, quand je parle à la personne, je sais que cette personne avec Dieu l'a appelé une grande personne. Alléluia. C'est pas ce que les gens disent qui va déterminer ce que tu vas être. C'est ce que Dieu dit qui va déterminer. Alléluia. Amen. Alors nous voyons, c'est. Donc Israël arrive d'abord. La première raison, on dit que ce malheureux de Dieu ne vient pas de manière apparente. À cette heure, Jésus est arrivé incognito. On ne pouvait pas savoir qu'il est arrivé. Alléluia. Les parents de l'élève, le son que nous prenons aujourd'hui, que. Avec quel parent il est né, le Seigneur? Joseph, il est écrit que c'était un charpentier. Mais il y en a qui enseignent que les charpentiers de l'époque étaient riches. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui croient ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire romaine. Il y avait même des riches à l'époque aussi. Alléluia. Et ce n'était pas des charpentiers. Quand vous voyez l'histoire de la ville de Nazareth, de Galilée, c'est l'histoire, c'était une région pauvre de la région. C'est une région pauvre. On peut vivre, okay? Il avait un travail. Ce n'est pas un travail de la cour du roi, ce n'était pas un questeur, ce n'était pas comme Matthieu et Piaget, mais c'était un charpentier. Alléluia. On peut dire qu'on ne peut pas, des fois, on ne peut pas lui accorder une autre importance que celle que Dieu lui a accordée. Alléluia. Alors, vous avez vu que au chemin à Kamaro Kashia, Joseph n'était pas sacrificateur. Il n'était pas parmi les sacrificateurs qui devaient dire, oh, Dieu va arriver demain. Non, non, non. Il était un homme humble. Faisant son travail et craignant Dieu. Si tu es humble, tu fais ton travail, tu crains Dieu. Dieu va te visiter. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas, si tu n'es pas humble, quelle que soit la force que tu déploies, tu vas te rendre compte un jour que tu perds le temps. Amen. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. La deuxième personne que nous voyons, c'est Marie. Bon, il y en a qui l'adorent, nous ne l'adorons pas. Mais c'est une personne d'exemple. Une jeune fille vierge d'Israël. Si elle est restée vierge jusqu'à cet âge, c'est qu'elle craignait la loi de Dieu. Elle écoutait ses parents. À l'époque, elle faisait le coutume de quel juif souvenait. Qui était agréé de Dieu. Alléluia. Vous voyez que c'est une jeune fille vierge quelconque. Amen. Joseph, lui, il était dans la descendance de David. Marie, c'était une fille quelconque craignant Dieu. Vous savez, quand tu crains Dieu, il te voit. Que les gens ne te trompent pas, que quand tu crains Dieu, Dieu ne te voit pas. Marie craignait Dieu. Elle était vierge. Donc, elle n'avait jamais connu d'homme. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il faut cultiver ça dans la vie des enfants de la nouvelle génération. Il y a quelque chose de bénéfique, de grand par rapport aux révélations que Dieu va donner, à la puissance que Dieu va déverser en ces temps ici. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous qui, si vous pouvez savoir ce qui s'est passé, et voyez sa vérité naturelle, est-ce que vous pouvez voir ce genre de loi qu'on a eu aujourd'hui? Dieu est tout puissant. Alléluia! Dieu est tout puissant. Alors de comprendre simplement que dans les parents de Jésus, c'était des personnes humbles. Amen. Des personnes à qui la société ne pouvait pas accorder une grande importance. Mais ils avaient quelque chose de précieux. C'est leur cœur. Leur cœur était à l'Éternel. Leur cœur était à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux voir le cœur de quelqu'un? Non. C'est celle de Dieu qui voit le cœur. J'ai toujours répété tout le temps de garder ton cœur. C'est Dieu qui voit le cœur. C'est vrai que si ton cœur n'est pas correct, tu fais les corrects, il finit par exploser un jour, on verra que ce cœur n'est pas correct. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Donc, les chrétiens doivent voir le cœur. Dieu regarde le cœur. Quand il voit ton cœur humble,
L'humilité de Dieu, l'humilité, c'est seulement l'obéissance à Dieu. Soumis à la gloire de Dieu, à la direction de Saint-Esprit, donc Dieu va te visiter. Dieu va faire honneur à cette jeune dame. Et la jeune dame, quand l'ange est venu lui annoncer le message, elle a accepté le message avec foi. Le vieux sacrificateur, le papa de Jean-Baptiste, a accepté avec doute et puis il est devenu muet jusqu'à ce que son fils était né. Alléluia. Parce que Dieu voit le cœur et puis quand tu es le cœur humble, Dieu va te visiter. Alléluia. C'est pourquoi ne vous laissez pas impressionner. Regarde, examine-toi. Est-ce que ton cœur est à Dieu? Si ton cœur est humble devant Dieu, Dieu délivre. Alléluia. Ça, c'est toujours une sorte de la première raison qui nous montre que le royaume de Dieu n'est pas d'une manière apparente. Donc, il pouvait voir Joseph, il pouvait voir Marie, il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, le Seigneur sera là. Quelqu'un pourrait voir Anne dans le temple en train de pleurer et son rival, quand il a mortifié tous les jours, ne pouvait pas imaginer que le nom de la rivale ne sera pas connu. Qui connaît le nom de Pélina? Sauf juste dans le site. Mais le nom de Anne a prié un exemple. Amen. Elle était meurtrie. Mais son cœur était à Dieu. Elle s'est mise à chercher Dieu, à pleurer devant Dieu. Même les serviteurs de Dieu, je vous dis que c'est cet Dieu qui voit le cœur. Élie a regardé et dit, femme, va faire passer ton vin un peu. Il dit, mon papa, non, ce n'est pas le vin. C'est la douleur de mon cœur qui me fait pleurer devant mon Dieu. Gardez-vous de mourir quand les gens pleurent. Quand quelqu'un pleure, vous ne savez pas pourquoi quelqu'un pleure. Alléluia. Amen. Je vais enseigner sur le pleurs au bois du mois de janvier. Alléluia. Elle pleurait. Dieu a vu son cœur. Et ses serviteurs ont dit simplement que l'Éternel est exaucé. Et sa figure n'est plus jamais la même. Anne a été exaucée à cause de son cœur. Alléluia. Le cœur de Marie, ce n'est pas comme les catholiques les chantent, mais c'est un cœur merveilleux. Vous allez lire le livre du chapitre, ce qu'on appelle les catholiques appellent le Magnificat. C'est les chants de Marie. C'est quelque chose de merveilleux là. Dimanche prochain, je vais en parler. Je vais beaucoup parler de ça. Je veux que dans la tête des gens, ce soit clair qu'il faut célébrer Jésus-Christ dans ce sens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alors, le troisième paramètre que nous voyons aujourd'hui, par rapport au premier principe, le royaume de Dieu ne vient pas de manière apparente. La vie des parents. Amen. Vous savez que Jésus n'est pas né à Nazareth. Il est né, et il n'est pas né à Nazareth, il est né où? À Bethléem, la ville de David. Mais on l'a appelé Jésus de Nazareth, parce que c'est là où il a grandi. Alléluia, c'est là où il fait son travail de serpentier. C'est là où il était connu avec ses frères et sœurs. Vous allez voir dans l'histoire que Galilée et Nazareth, ce n'était pas important pour les Juifs. Enfin, les Juifs, c'est les gens, quand quelque chose d'important, ils donnent l'importance. Quand quelque chose n'est pas important, ils font ça. Chia! Ils ne regardent pas. Alléluia. Ils ne regardaient pas Nazareth. C'était une petite ville. Historiquement, vous pouvez aller voir cela. C'était une ville où des artisans. Amen. Des gens qui faisaient des petits travaux. Alléluia. Donc, on ne pouvait pas imaginer qu'un grand, quelque chose de bon, vient de Nazareth. Alléluia, vous avez dit que le pasteur parle un peu beaucoup lui-même là, qui nous donne des versets. Allons dans Jean 1, verset 41. La Bible, nous enseignons la Bible toujours par la Bible. Gloire à Jésus-Christ pour cette grâce. Au Shimalakaya. Jean chapitre 1, verset 46. Alléluia. Amen. Et je vais demander à mon frère d'Henri de me lire cela. Au Shimalakoye. Malakoyanza, mes alliés, ma casse. Malakoyanza, mes alliés. Ora Mashika Malakai. Gloire à Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est Nathanaël, la Bible, j'ai dit, Nathanaël, c'était un vrai Israélite dans lequel il n'y avait pas de faute. Donc il connaissait la loi. Mais il ne pouvait pas voir Christ. Alléluia. Quand Philippe raconta, il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça dit que, mais on ne peut pas imaginer quelque chose de bon. Sur le plan sacerdoce, sur le plan service, et il n'y a rien là-bas. C'est un Jésus de Nazareth, il vit les artisans, il vit les pécheurs. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?
Peut-il venir de tout et cette personne quelque chose de bon? Ah, cette personne, je le connais depuis comme ça. Peut-il venir telle une quelque chose de bon? Ah non, c'est le pays, ouais, il est tombé dans ça. Peut-il venir quelque chose de bon? Tu te trompes. Seul Dieu peut avoir une bonne relation sur quelqu'un. J'ai toujours dit la crédibilité est quelque chose de dynamique. La crédibilité n'est pas quelque chose de statique. Quelqu'un que tu peux l'avoir vu hier. Autre chose, la nuit Dieu l'a déjà transformé. Nathanaël, connaissant la loi, craignant Dieu, Jésus a attesté, voilà un vrai israélite. Il ne pouvait pas reconnaître Christ Jésus. Il ne pouvait pas savoir que de Nazareth était venu son Seigneur. Oh mon Dieu. Ça va être le chemin de l'humilité. Je suis content ce matin, je sens une gloire sur moi. Je sens quelque chose de très spécial qu'il ne devait pas avoir, mon fils rit. Alléluia. Parce qu'il voit le parcours depuis le matin, c'est comme ça qu'on connaît. Et Dieu est vivant. C'est ce que Dieu dit, ouais, tu t'attends à face de tes ennemis. Alléluia. Personne ne peut vous enlever ce qu'est Dieu. Vous dites, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Personne n'a le droit de t'enlever cet attribut-là. C'est quelque chose dans ton cœur que Dieu t'a donné. Alléluia. Donc, vous voyez que la ville de Nazareth, c'est une ville, comme on peut dire, est-ce que des lions, est-ce que des. Une ville très sale, oui, je vais prendre. Une ville vraiment où il y a beaucoup de choses. Et de Montréal, l'or, je vais venir serviteur de Dieu. Hein? Est-ce que de Brooklyn à New York, il peut venir serviteur de Dieu? Mais la Bible dit que là où le péché abonde, c'est là où la grâce surabonde. Alléluia. Amen. Vous comprenez que, alléluia. Amen. Il y a une mère spirituelle, je dirais, qui est la mère spirituelle de Béni In. Cette femme-là, Oshima Nakabarokaya, elle est Oshima Nakabarokaya, Shikerotara, Oshika Manakaya. Alléluia. Avant qu'elle connaisse les chemins de la gloire de Dieu dans le domaine de guérison, elle vivait en adultère avec un évangéliste. Et puis Dieu l'a frappé dur, elle a compris. Et quand elle s'est mise debout, elle a laissé la marque jusqu'au bout. Je vous dis que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grâce et de miséricorde. C'est pas là où les gens mettent les yeux que Dieu met ses yeux. C'est là où les gens tournent les yeux que Dieu va mettre ses yeux. Parce qu'il est le Dieu qui agit là où il y a l'amoindrissement. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Donc Nazareth n'est pas une bonne ville. Il ne pouvait rien venir de bon là-bas. Alléluia. Amen. C'était une cité de Galilée. Mais c'est là où Dieu est allé toucher. C'est ça le message de Noël aussi là. Il y a des gens qui sont tristes aujourd'hui dans des familles qui regardent, peut-être qu'il n'y a pas eu de cadeaux. Mais c'est de la. Il n'y a rien, absolument rien. Les enfants, si vous voulez regarder, voir acheter des choses, attendre le boxing day, aller acheter vos choses, tous ces jours des cadeaux, ça absorbe absolument rien. Acheter des choses valables si vous voulez. Alléluia. Absolument rien. Le vrai cadeau, c'est celui-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Luc chapitre 2, mes bien-aimés. Au verset 4, il dit Joseph monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, pour dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison de David. C'est juste pour appuyer le premier passage que Joseph vivait à Nazareth. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que arrêtez d'avoir des idées préconçues sur les gens. Amen. Si tu as une révélation sur quelqu'un, prie pour la personne. Mais si tu n'as pas de révélation, n'aie pas une idée précoce. Alléluia. Dieu peut prendre, même dans les nations où il y a les gens les plus rudes, même dans les gens qui tuent les gens là, peuvent trouver son serviteur là-dedans. Alléluia. Amen. Nathanaël n'a pas reconnu que de Nazareth pouvait venir quelque chose. Mais Dieu a dit, de Nazareth il viendra quelque chose de plus bon qui soit jamais venu de la terre, de cette famille-là, ils sont cette famille méprisée, ils ont quelque chose de bon que jamais personne n'a jamais vu cette terre. Alléluia. De ta vie là où les moqueries se sont jetées, quelque chose de bon va sortir. Toi qui pleures tout le temps, ma vie,